bienvenue sur les petits tutos. Aujourd'hui, je vais faire une deuxième version de ma colombe. Regardez, petite colombe toute mimi, avec le printemps qui revient, les oiseaux reviennent aussi. Allez, c'est par ici le petit tuto. Alors, pour la colombe en origami, vous allez commencer par prendre votre feuille d'origami et plier l'une des diagonales. Comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre cette pointe-ci et la ramener là. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez bien aplati vos plis, vous allez prendre votre feuille d'origami et cette partie-là, vous allez la ramener ici. Comme ça. Et mettez tout bien bord à bord, appuyez bien, de façon à ce que le pli soit bien marqué surtout. Maintenant, vous retournez votre feuille d'origami et vous ramenez cette pointe-ci vers le haut. Comme ça. Donc une fois que vous en êtes là, que vous avez fait vos plis, que ça fait ceci, prenez votre feuille d'origami, vous la mettez comme ça, avec les deux soufflets vers le haut, et vous prenez la pointe là et vous la ramenez sur la partie basse de la feuille d'origami, comme ceci. Ensuite, vous prenez cette partie là. Vous ouvrez tout, ça vous a fait un triangle et vous inversez les plis que vous avez fait. Donc vous voyez là vous avez des plis, vous les mettez vers le bas et vous rapprochez le tout pour que ça vous donne ceci. Vous voyez, vous faites la même chose pour ce côté-ci. Vous retournez la feuille d'origami, vous ramenez votre pointe vers le bas. Jusqu'ici, mettez bien bord à bord, vous appuyez sur votre pli, vous écrasez bien surtout. Une fois que vous avez fait ça, vous faites comme pour l'autre côté, vous ouvrez le pli que vous avez eu là comme ça, vous le ramenez vers le bas, vous inversez ce pli-ci dans l'autre sens. Une fois que vous avez bien inversé le pli, vous le ramenez bord à bord. Comme ceci, voyez, bien bord à bord, et surtout vous écrasez bien les plis. Maintenant que vous en êtes là, là ça va être vos ailes de l'oiseau. Donc ce que vous allez faire, vous allez les ramener comme ceci, et vous aplatissez bien. Retournez votre feuille d'origami, vous faites pareil de ce côté-ci, vous prenez la future aile, et vous la ramenez vers le haut. Une fois que vous avez fait ça, on va replier ici un peu l'aile pour lui donner une véritable forme d'aile d'oiseau. Une fois que vous avez fait ce côté-ci, vous retournez votre feuille d'origami dans l'autre sens et vous repliez aussi ici. Voyez, déjà vous avez les ailes. On va s'occuper de la queue de votre colombe maintenant. Cette partie-là, on va la ramener vers le bas en ouvrant, regardez, comme ceci. Et donc la partie supérieure que j'écrase là, vous la ramenez le plus bas possible, jusque là. Et ensuite, une fois que vous êtes là comme ça, vous appuyez avec vos deux doigts et vous rabattez vers le bas. Pour la tête de la colombe, vous ramenez la pointe vers l'intérieur, de façon à ce que ça se replie, et vous écrasez. Voilà. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr abonnez-vous. À bientôt sur les petits tutos pour de nouvelles vidéos.